Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle édition du Scanner, une émission proposée par votre média d'investigation locale, le DOC, en partenariat avec la librairie Fière de Lettres. En mars prochain, les Montpelliérains se rendront aux urnes pour choisir leur nouveau maire. Le DOC et le Scanner, bien sûr, vous proposent de suivre cette campagne. Et nous commençons dès aujourd'hui avec la porte-parole du mouvement Les Centristes Nouveau Centre, candidate de la liste Montpellier pour tous. J'accueille aujourd'hui Anne Brissot. Bonjour. Bonjour. Alors Anne Brissot, vous avez déclaré votre candidature en juillet dernier. Depuis, on vous a peu entendu. Donc pour clarifier la situation en début d'interview, est-ce que vous êtes toujours candidate aux prochaines élections municipales de Montpellier, pardon? Mais oui, plus que jamais. Parfait, c'est clair. Alors donc, Moed Altrad, Philippe Sorel, Patrick Vignal, on pourrait, en tout cas certains ajouteraient l'élu LR Alex Larue. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se positionne au centre? Ben, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est plusieurs à, en tout cas, s'intéresser à la vie de la cité et que cette élection a motivé donc plusieurs personnes à se présenter. Ça ne veut pas dire qu'on est trop nombreux. Au contraire, je pense que tout le monde est bienvenu et dans ce débat. Mais et que plus on sera nombreux, au contraire, et plus on va intéresser, j'espère, les Montpelliérains. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans cette petite fourchette qui se situe justement au centre plutôt droit, quoi? Ben, ça, c'est parce que vous pensez que Macron est un centriste, mais ce n'est pas notre cas. Nous, le parti d'Hervé Morin, justement, les centristes, on est resté indépendants, on est vraiment autonomes aujourd'hui, parce qu'on considère que les centristes qui se veulent et qui sont vraiment des humanistes, qui sont des personnes qui sont des personnes de conviction et de fond. Donc on continue à travailler sur le fond des dossiers, sur la responsabilité, comment l'individu peut mieux vivre dans cette société, comment on peut faire évoluer justement cette société vers quelque chose, enfin vers le vivre ensemble. Alors à Montpellier, on reviendra sur sur vos éléments de programme, mais donc à Montpellier, la droite, elle a toujours été assez faible. Là, ça s'annonce encore plus difficile pour eux. Vous n'avez pas envisagé une liste commune avec Moed Altrad ou avec le candidat LR, par exemple? La question se pose en sens inverse aussi. Est-ce que eux ont envisagé une liste commune avec nous? Et si c'était le cas, est-ce que vous seriez partante? Il faut déjà discuter de leur programme, de ce qu'ils veulent pour les Montpelliérains. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, c'est le début de leur campagne. Ils consultent encore les Montpelliérains. Nous, avec Éric Petit, qui est aussi qui est mon colistier, ça fait 5 ans qu'on est déjà élu à la ville et à la métropole de Montpellier. Enfin, moi à la ville, lui à Saint-Jean-de-Védas, mais à la métropole de Montpellier tous les deux. Et qu'on travaille sur les dossiers, qu'on vit avec les Montpelliérains, qu'on les écoute, qu'on comprend aussi leur vie puisqu'on la vit. Donc quelque part, on n'a plus besoin de consulter, on a construit un projet qu'on partage aujourd'hui avec eux pendant cette campagne. Mais on n'en est pas au même stade, vous voyez. Donc, vu les sondages, donc les derniers sondages, ils vous donnaient à 2% a priori. Vous pensez pas justement qu'une liste d'union... Ça voudrait dire qu'on considère que ceux qui sont pas encore dans les petits papiers ou dans les bons chiffres n'ont pas le droit de se présenter. Et moi, je suis vraiment une républicaine et une démocrate convaincue. Et je pense au contraire que notre République permet à tout le monde de se présenter et que c'est le jeu de la démocratie. C'est présentons-nous, faisons nos campagnes. On est à peine au début de la campagne, vous l'avez dit. On n'a pas encore tous les projets, on n'a pas eu de débat du tout. Donc débattons des sujets de fond et ensuite laissons aux Montpelliérains choisir. Quant aux 2%, vraiment... je suis docteur en psychosociologie, hein, vous le savez, j'en ai construit des sondages, je sais comment ça se fait, comment ça se passe, et là on est sous l'influence quand même du national, on le voit, il y a eu une élection européenne, et les résultats de cette élection européenne sont encore finalement visibles dans ce premier sondage. C'est un premier sondage, les écarts aussi entre ceux qui sont les plus hauts et ceux qui sont les plus bas sont creusés, renforcés. Donc je sais que je ne suis pas à 2% aujourd'hui, je peux compter sur bien plus de Montpellierains, j'en ai fait des campagnes. Alors justement, aux dernières municipales, donc en 2014, vous étiez derrière Jacques Domergue, deuxième derrière Jacques Domergue, il faisait face à une gauche plutôt déchirée, vous ne la regrettez pas cette époque? Vous ne vous dites pas qu'il y avait quelque chose à enrayer? Non, si je dois regretter quelque chose, c'est de ne pas avoir suivi mon idée de départ, qui était de monter une liste centriste en 2014. On avait commencé la campagne comme ça, autonome, avec un projet, et ce projet n'a pas pu exister par cette fusion. Et donc c'était l'erreur en tout cas que je ne voudrais ne pas recommettre.
Alors toujours sur votre positionnement politique, vous avez une expérience d'élu, vous avez été proche des cabinets ministériels, vous incarnez une nouvelle génération et vous vous situez au centre droit, c'est presque le CV parfait pour faire partie de LREM. Vous y avez jamais LREM. Pensé ? Écoutez, je considère qu'on ne doit pas forcément mettre les gens dans des cases. Je fais partie d'une famille politique qui me convient. Depuis toujours, j'ai pu exprimer ce que je pensais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, donc c'était la construction de l'UMP. On était avec Jean-Louis Borloo au sein d'une famille qui était large, hein, la famille de la droite et du centre. Ensuite, l'histoire a fait qu'on a repris une partie de notre liberté. Mais c'est quand même ma famille. Pourquoi je me sens de centre droit ? Parce que je pense vraiment, je crois en l'homme, en l'individu. Et je pense qu'en comptant sur les êtres humains, on est tous capables de se responsabiliser. Moi, je suis contre le fait d'imposer sa façon de voir. Et Emmanuel Macron a une vision de la société qui est très centralisée, vous voyez. Par exemple, c'est un ancien de Bercy, qui concentre le pouvoir au niveau national, alors que nous, les centristes, on est plutôt pour une vision qui est à l'inverse, en fait, redonner plus de responsabilités et plus de pouvoir aux régions, aux collectivités. Et donc, c'est vraiment le principe de subsidiarité qui nous anime. Alors, petite échelle, en fait, est efficace. Enfin, c'est l'élu par excellence pour nous, l'élu le plus important, c'est le maire. Alors justement, on va parler de cette échelle locale. Vous sortez de 6 années d'expérience dans l'opposition, donc au conseil de la ville et à la métropole. Qu'est-ce que vous en retenez et est-ce que vous avez appris quelque chose avec cette expérience ? On apprend toujours quelque chose, hein. Ce qui ne nous tue pas nous renforce, on dit. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une période facile. Ce qui a été intéressant, c'est plutôt d'avoir accès à certains dossiers auxquels on n'a pas accès quand on n'est pas élu ou qu'on a du mal à récupérer. D'ailleurs, en étant élu, on a même du mal à avoir certaines informations. Hein. On parlera peut-être tout à l'heure des dossiers qui n'ont jamais été débattus en commission, comme le stade de foot, par exemple. C'est un dossier qu'on n'a jamais vu en commission sport. Et pourtant, je siège dans des commissions à la métropole, justement pour pouvoir débattre avant les conseils techniquement des sujets. On a des dossiers, enfin du coup on a pu travailler sur le fond avec mon équipe, avec des collègues et en discuter avec les Montpelliérains pendant 6 ans. Ça c'est le point positif. Le point négatif, c'est évidemment bien sûr dans l'opposition on a très peu de pouvoir et avec un maire comme Philippe Sorel on n'en a aucun. Il essaye toujours de rabaisser ce qu'on pense, de réduire et d'amoindrir finalement notre représentativité d'une partie de l'électorat. Parce que si on est élu, c'est qu'on représente des Montpelliérains, on n'est pas là par hasard, on ne s'est pas incrusté dans le Conseil. Déjà dans le Conseil, il a passé 6 ans à nous changer de place. Enfin, c'était le jeu des chaises musicales. Soit il nous rapprochait de la porte, soit il nous changeait de coin, il nous mettait. Dans les 6 ans, On a reculé les élus d'opposition. Enfin, vous pourrez le voir, c'est très. On a assisté à des. C'est amusé, voilà. Parfois surréaliste ouais. Même. Mais je trouve que c'est dommageable parce que on attend du maire de la 7e ville de France un peu plus de considération de ses électeurs, des Montpelliérains. Les gens sont déçus. On en croise tous les jours depuis quelques années. Là, ça commence vraiment à se ressentir de façon flagrante dans la population, peut-être parce qu'on rentre en campagne, vraiment. Mais il est encore donné à 20%. Bien positionné dans les sondages. Ouais, mais 20%, c'est rien 20%, vous voyez. Justement, alors pour vous, donc dans ces conseils, ça n'a pas toujours été facile, notamment avec Max Lévital, premier adjoint, qui vous a souvent reproché dans les arbitrages financiers de ne rien comprendre. D'après vous, cet argument, il vient d'où ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que c'est une façon de faire de la politique d'un autre temps. C'est-à-dire, qui peut aujourd'hui imaginer que déjà je suis seule et que j'étudie mes dossiers seule, si on peut, voilà. Mais en plus, qui peut imaginer qu'on puisse répondre à un élu « vous ne comprenez rien ». On est au 21e siècle. Alors certes, je suis une femme, je suis blonde, mais je sais lire, j'ai un doctorat. Alors si aujourd'hui je comprends rien avec un doctorat de psychologie, qui en plus est scientifique, hein, c'est une matière scientifique, si moi je comprends rien aux finances, que pense-t-il des autres ? C'est ce que je me dis. Que pensent-ils, en fait, des Montpelliérains qui n'ont pas pu faire d'études, qui n'ont pas la chance d'avoir pu travailler auprès de ministres... j'ai eu travaillé auprès du ministre du Travail, du ministre du Budget. Je pense que les chiffres, je les connais un peu. Donc je pense que c'est une méthode. C'est plus ça. J'espère qu'au moins, ils ne croient pas ce qu'ils disent.
mais c'est une méthode d'un autre temps et il est vraiment temps d'en changer. Alors, il est un peu trop tôt pour parler de votre programme, mais par contre, on peut commencer à avancer des éléments. Un des éléments, donc, je vous cite dans une interview que vous avez donnée à Midi Libre il n'y a pas longtemps, vous souhaitez donner plus de revenus disponibles aux Montpelliérains, et notamment en réduisant les impôts locaux. Alors, comment on fait, sachant que déjà, il y a peu de Montpelliérains qui payent les impôts locaux ? Ah, alors, bon, déjà, on peut parler de mon programme, parce qu'il est prêt, je vous dis, ça fait 5 ans qu'on y travaille, donc on a un programme, c'est pas un problème d'en parler. Mais sur le revenu disponible, pour nous, c'est essentiel de redonner de l'argent, quelque part, enfin, une liberté aux Montpelliérains. Et la liberté, si elle passe par l'argent, elle passe aussi par d'autres moyens dont on parlera, le fait de perdre moins de temps dans les embouteillages, par exemple, ce genre de choses. Mais cette liberté redonnée par le revenu disponible, pour nous, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Les Montpelliérains, aujourd'hui, le revenu moyen d'un Montpelliérain célibataire, seul, c'est 1 400 euros. Voyez, le revenu d'une famille moyenne, enfin un revenu moyen donc d'un couple avec enfant, c'est 2 740 euros à peu près. Bon, mais avec ça, une fois qu'on a payé finalement l'alimentation, le loyer, l'essence pour certains, les transports en commun pour d'autres. Par les gilets jaunes, on l'a vu tout au long de l'année, mais comment on fait? Justement, c'est pas exactement les mêmes revendications. C'est-à-dire que je pars du constat, comment on fait pour vivre? Et bien, pour vivre au quotidien et pour se sentir utile, pour se sentir bien, pour se sentir libre, et bien ça, pour ça, il faut de l'argent quelque part. Il faut qu'il nous reste quelque chose pour faire des choix. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner le choix à Montpellierin. On ne veut pas leur imposer une façon de voir. Vous voyez, c'est pour ça que je dis... Comment vous faites concrètement au niveau local pour donner du revenu? Alors, il y a plusieurs façons. C'est-à-dire que déjà, on va limiter tout ce qui est payant à Montpellier. Moi, je ne suis pas anti-voiture, vous voyez. Donc déjà, le stationnement payant, il s'est élargi sous le mandat de Sorel. Il y a de plus en plus de zones qui ont été qui sont devenues payantes, qui ne l'étaient pas, et le prix du stationnement a augmenté. Donc déjà, on a réduit le revenu disponible des Montpelliérains. Ensuite, il y a eu plus d'habitants à Montpellier, donc chaque année, on a 3 000 habitants de plus en gros. Et ben, ça fait des taxes qui sont supplémentaires, qui ont donc dans le budget de la ville et de la métropole, on a plus que au début du mandat. Et bien cet argent... Les Montpelliérains, ils les payent, les impôts locaux. Non, mais c'est pas parce que tout le monde ne le paye pas qu'on ne peut pas au moins... Oui, donc ça veut dire qu'il y en a certains, justement, qui ont encore moins de revenus que ceux proposés. Enfin, que ceux dont on vient de parler. Mais, et comme c'est une moyenne, c'est normal. Mais dans l'idée, c'est-à-dire que si vous avez des personnes à qui, déjà, on propose de restituer une partie de cet argent ou de faire autre chose, de réutiliser l'argent de ce contribuable, pas pour faire ce qui a été fait, pour payer du fonctionnement administratif, pour payer des charges toujours plus importantes, mais au contraire, qui est de cet argent même qui est réutilisé pour le confort, le bien-être et le choix des Montpelliérains, dans ces cas-là, c'est possible. Si on permet... Qu'est-ce qui coûte cher aux Montpelliérains, en fait, au quotidien? Même à ceux qui ne payent pas d'impôts. C'est les transports qui coûtent cher, c'est les... On peut y venir aux transports, parce que c'est quand même un de vos... Bien sûr, mais c'est les chevaux. Mais je dirais, c'est pas que les transports, c'est le déplacement en général qui coûte cher aux Montpelliérains aussi. Donc, vous venez de le dire, donc vous avez parlé du stationnement payant, vous êtes contre la ligne 5, donc vous défendez les intérêts des automobilistes, est-ce qu'en 2019... Ah non, je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas parce qu'on est contre la ligne 5 qu'on défend les automobilistes. On défend un projet de société où le tram n'est pas omniprésent. Avec le stationnement payant et le fait de dire que beaucoup d'automobilistes perdent du temps à venir en voiture en ville, est-ce qu'il faut encore venir en voiture en ville, en fait? Disons qu'à l'inverse de beaucoup... Je ne suis pas anti-voiture. Je considère que les voitures vont, l'évolution technique va permettre aux voitures de devenir tout aussi écologiques que le tram, vous voyez, par exemple. Et d'ailleurs, les voitures électriques, c'est la même énergie. Donc, on ne peut pas dire que le tram est plus. En revanche, on transporte plus de monde dans un transport en commun. Sauf qu'en transport en commun, il y a le problème des batteries au niveau écologie. Oui, mais ça aussi, c'est pareil. On évolue. Si vous voulez, pour moi, je pense vraiment que l'évolution technologique est un allié de l'écologie, vous voyez ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la transition. Faisons avec ce qu'on a aujourd'hui. Déjà, on ne fait pas avec ce qu'on a. C'est qu'on a beaucoup de moyens technologiques à notre disposition pour rendre, en fait, le transport accessible à tous et le transport en commun, mais comme l'autopartage, comme le vélo, etc. Pour nous, on est, en fait, dans une vision de société partagée par tout le monde. On voudrait que tout le monde puisse vivre correctement sans opposer les uns aux autres. On n'est pas le piéton contre le vélo, parce qu'on peut dire aussi, par exemple, que les piétons gênent les vélos,
Et l'inverse, les vélos gênent les piétons. Vous voyez, mais nous, on sait pas ce qu'on dit. On dit les pistes cyclables doivent être efficaces, sécurisées, continues, pour que ceux qui veulent faire du vélo et ceux qui peuvent faire du vélo le fassent en toute sécurité. Et donc les pistes cyclables, on sait qu'elles ont des contraintes, c'est-à-dire que pour arriver d'un point A à un point B, autant qu'elles soient le plus linéaire possible, vous voyez. Les voitures, c'est autre chose. Les voitures, elles peuvent contourner plus facilement. On perdrait moins de temps en voiture en ayant des accès, vous voyez, qui font des déviations, mais qui sont fluides. Et donc ce qu'on veut, c'est fluidifier et partager l'espace. On a reçu donc les jeunes pour le climat il y a quelques semaines, qui eux demandaient plus de radicalité dans les mesures politiques en faveur du climat. Est-ce que votre ménagement, entre guillemets, il est compatible avec cette demande-là? Ouais, je ne veux pas ménager en fait, j'ai juste une vision de la société qui n'impose pas les choses. Et dans l'idée, on veut juste que tout le monde puisse finalement être bien dans cette ville. Et être bien, c'est accepter les différences. Certains peuvent et veulent rouler en vélo, mais il faut les y encourager, tant mieux. Mais donnons-leur la possibilité de le faire. Ceux qui veulent être à pied, c'est pareil. Aujourd'hui, les trottoirs de Montpellier ne sont pas accessibles. Je suis désolée, ils ne sont pas en état d'accueillir la moitié de la population. Donc on parlait des voitures, mais c'est pas que les voitures, l'automobile en général, ça peut aussi être des modes de transport en commun qui sont bien plus adaptés au flux de circulation. Le tram, il transporte 300 personnes en moyenne, à chaque fois qu'il se déplace, il est en capacité de transporter 300 personnes, mais on n'a pas besoin d'avoir des flux de 300 personnes toute la journée, vous voyez ? Donc renforçons certains accès, oui. Du coup, parce que le temps passe vite, il y a une question que j'aimerais aborder. Oui. Donc vous réclamez plus de démocratie au niveau municipal, on en a parlé, on en a parlé un peu, mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait plus de démocratie ? Ne serait-ce qu'un espace d'expression pour tous les élus, c'est-à-dire qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, en fait un espace d'expression équitable. Moi, si j'étais maire, je mettrais en place, et quand je serais maire, je mettrais en place, en fait, vraiment la possibilité pour les moyens d'expression, enfin pour les élus d'opposition, de s'exprimer aussi. Aujourd'hui, 65 caractères dans le journal municipal. Enfin, vraiment, on en rigole, on se dit qu'est-ce qu'on fait, c'est même pas un tweet. Vous voyez, on ne peut pas rédiger un avis, une position, décliner une position sur 65 ou 150 caractères. On est vraiment très bridé. Et ça, pour moi, c'est vraiment dommage, ça nuit à la démocratie. Tout au long du mandat, si les élus d'opposition, on avait pu débattre des sujets de fond, on aurait pu justement exprimer nos positions, et le maire, s'il était si sûr de son avis, aurait pu nous répondre. Tout au long de la... Moi, j'ai pas peur de l'affrontement, ou de l'affrontement des idées, en tout cas. Je n'ai pas du tout... je ne crains pas les différences, et donc ni les différences de point de vue. Si quelqu'un veut me prouver que d'aller de Montpellier à Palavas à pied, c'est possible et que c'est souhaitable pour une majorité de personnes, je suis prêt à l'écouter. Et donc, travaillons ensemble sur les conditions, par exemple, pour le mettre en place. C'est pas parce que c'est une idée qui viendra de l'opposition que... Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée, ouais. C'est très court. Mais merci beaucoup d'être venue dans notre émission. Le scanner, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube du Doc, sur le site internet ledoc-info.com. Comme chaque semaine, je remercie Wissam et Chloé pour leur accueil dans la librairie Fière de Lettres. Je remercie Gabriel Fradin à la technique. On se retrouve la semaine prochaine.